À l'occasion d'un épisode précédent, la lisibilité, nous avons évoqué l'idée générale disant qu'il est nécessaire de comprendre une run pour l'apprécier. Idée nuancée par la suite dans l'épisode. Il n'empêche que cette idée est répandue, et ceci continue à me questionner grandement. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlerons de magie. Avant de s'attaquer au pourquoi de ce sujet, il est intéressant de constater que la magie et le speedrun présentent toutes deux beaucoup de similitudes. Chacune d'elles demande par exemple de longues heures d'entraînement pour réussir quoi que ce soit. Comme dans beaucoup de disciplines, me direz-vous, mais ici c'est encore plus flagrant. Il va falloir s'entraîner sur deux aspects, notre habileté générale sur la pratique et sur les tricks précis que nous souhaitons réaliser lors d'un spectacle ou d'une run. Et dans les deux cas, réussir un trick ne suffit pas. En speedrun, il faudra le faire le plus rapidement possible pour gagner du temps, et en magie, il faudra le faire de la façon la plus discrète possible pour ne pas révéler la supercherie. En effet, chacun essaye de réaliser la meilleure performance possible, et ce, dans les deux domaines, même si tout le monde utilise les mêmes techniques. Et pour ces deux pratiques, la recherche de la performance emmène à des dérives. Des dérives comme de la triche ou des changements de règles abusives. Pour la triche, il est assez facile de voir un parallèle. En speedrun, certains vont pouvoir être tentés d'utiliser un auto-jump. Et en magie, on peut par exemple vouloir avoir recours à un montage vidéo. Mais par contre, il peut être assez curieux de penser à un changement de règles abusif pour la magie. Et pourtant, cela existe. Évidemment, il n'y a pas de règles écrites quelque part. Mais le public attend quelque chose, et c'est lui qui décide si quelque chose peut paraître légitime ou non. Et du coup, quand en speedrun on va accepter l'auto-jump à la volonté du plus grand nombre, en magie, on va par exemple accepter le montage vidéo. Et quand ce genre de choses se produit, eh bien il faut s'attendre à des débats. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé à la sortie d'Insaisissable 2, qui mélangeait réel tour de magie et montage vidéo. Et pour certains, ceci ne posait pas de problème, le but étant d'être bluffé, peu importe les moyens utilisés. Et pour d'autres, cela allait à l'encontre de la discipline. Comme ceci, nous pouvons observer les mêmes phénomènes dans les deux pratiques. Dernier point que nous aborderons, la représentation en direct ou non. Tout comme en speedrun, un tour de magie peut être réalisé devant une caméra et ensuite montré au plus grand nombre sur internet. Et alors, le magicien aura autant d'essais qu'il le souhaite pour réussir la meilleure performance possible. Et ce parallèle est également vrai pour les représentations en direct. Comme pendant un marathon de speedrun, il faudra tout faire pour impressionner le public en ratant le moins de choses possible et tout en faisant attention aux aléas du direct. Mais alors, où est-ce que je veux en venir ? Eh bien, malgré toutes ces similitudes, il réside une grande différence entre ces pratiques. Le spectateur de speedrun voudra comprendre ce qui se passe, tandis que le spectateur de magie voudra être mystifié. Pouvons-nous expliquer ceci ? Bien des pistes sont envisageables, mais celle qui me paraît la plus pertinente serait de revenir au fondement de ces deux disciplines, et plus particulièrement à leur approche du savoir. En speedrun, tout doit être public. Les communautés font énormément de tutos, un runner sera toujours heureux de vous expliquer ce qu'il fait, et garder une strat pour soi serait très mal vu. Tandis qu'en magie, c'est l'inverse, tout doit rester privé. Un magicien ne vous révélera jamais ses secrets, et les seuls tutos disponibles sont faits sur des techniques de base. Rendre public des informations sur les tours serait pour le coup très mal vu. Ne pas divulguer ses secrets est la règle numéro 1. Les raisons sont plutôt mystérieuses, respect pour l'inventeur du tour, tradition de la pratique, argent… Eh ben, on n'en sait pas grand chose. Quoi qu'il en soit, le spectateur est habitué à ne pas avoir la solution de ce qu'on lui montre, et c'est peut-être ce qui expliquerait cette différence entre les attentes. Dans un cas, le savoir est accessible, on va alors attendre les explications avant d'être émerveillé de ce qu'il vient de se passer. Et dans l'autre, rien ne nous sera expliqué, et nous le savons. Il est par conséquent inutile d'attendre quoi que ce soit. Ce serait alors nos habitudes et l'attitude des pratiquants, speedrunners ou magiciens, qui nous dictent nos attentes. Finalement, si nous voulons que les gens aiment le speedrun juste parce que c'est joli, intéressant à regarder ou impressionnant,
ne devrions-nous pas arrêter de toujours tout expliquer avant même qu'on nous le demande, et par la même occasion, créer des marathons et des événements avec d'autres objectifs que d'expliquer une run ?